Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour la soirée du Nounou qui va pas durer très longtemps. Hein. On est là pour 2 heures jusqu'à 22h et après on laisse la place à Seb qui nous rejoindra normalement. La semaine dernière il nous a oubliés, mais j'espère que cette semaine il sera là. Pour ma part, à 22h, moi je reprends sur ma propre chaîne où je ferai du sous-marin avec U-Boat. En attendant, j'aimerais bien avoir vos navires. Vous avez pas un petit bateau à me faire faire parce que j'ai pas d'idée. Je vais mettre ça dans un coin. Salut Boboche. Je sais pas quoi faire. Faudrait que je green, mais j'ai pas particulièrement envie. La place est libre. La place est libre. Allez-y. Un point d'exclamation. Bah voilà, tiens, hop, ça y est. Là c'est bon. Alors on est là 2 heures. 2 heures c'est rapide. Un petit Montana. Qu'est-ce que j'ai comme commandant? Un crocosaure plutôt, je dirais. Mon commandant de Montana est sur le Florida. Et boum. Ah, vous faites plus de points d'exclamation, bateau. Vous faites des points de chaîne. Il y en a tellement. Vous avez tellement de points de chaîne. 300 pour une demande de bateau, en fait, c'est pas assez. Peut-être qu'on va revaloriser ça. Regarde, si je regarde moi, là, j'ai 101 054 points de chaîne. Vous imaginez le nombre de bateaux que je peux demander avec ça? Truc de fou. Oh, super, il y a de l'avion. Oh, super, c'est un whip. Non, c'est un WP. C'est pas un whip. C'est un whip sans le vie. Tout va très bien se passer. On s'en fout, on est en feu. Qui quoi? Bonne chance à tous. Moi, je suis en crocosaure. On a un DD avec nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis content, on vient de recevoir nos récompenses de serveurs, de tests, de bêta-test de serveurs sous-marins. Donc tout un tas de drapeaux que j'ai reçus. Je suis très content. J'aimerais bien recevoir les sous-marins sur le serveur. À la place des récompenses. Mais bientôt, bientôt. Un jour. Un jour. C'est à espérer. On peut penser qu'un jour ça va arriver. Bon, ça fuit par là-bas. Hop, voilà, on peut tirer là-dessus. Non, on peut plus. En bout de portée. Là-dessus.
suppose que c'est pour moi tout ça. Je suppose bien. Attention, des moines. Pouette! Salut Stilux! Mais arrête, non! Non, marche arrière! Marche arrière! Marche à. Oh, sympa ça! Marche arrière! Boum, allez! Je lui ai rien fait? D'accord, rien. Ça frotte encore, hein. Il est encore là sur moi, comme ça. Non, moi je m'intéresse plutôt au Montana. Sur lequel on va attendre. Il n'arrivait pas à faire demi-tour. Il devrait fuir par contre parce qu'il est vraiment cher à des moines. Je lui ai rien fait. Voilà. Exactement ça que je parlais. Ah oui, j'aimerais bien recevoir le sous-marin. Est-ce que t'as vu l'Illustrios que j'ai coulé quand même, Henri IV? Ça va, on va tout esquiver. Les torpilles ne tournent pas. Elles étaient drôlement belles. On va partir maintenant parce qu'on a un délai là. J'arrive à toucher rien, j'ai fait 5000 de dommages, ce qui est vraiment ridicule. On va faire un superbe broadside. On va peut-être même éviter de tirer. Salut, Darkrod. Je suis encore repéré. C'est à cause du sous-marin qui se trouve par là. Donc moi je me casse. J'aimerais bien le toucher un peu. Quand même. 13 secondes, on le voit plus. Le sous-marin, lui, me voit. Le sous-marin, le DD me voit très bien. Ah non, non, je viens de tirer. Mais non, c'est pas sympa de faire ça. Mourrez pas quand je tire. Ah, tiens, toi. Satané Shimakaze. Change d'angle. On a plus de DD nous pour le voir là.
Tiens, voilà, les torpilles n'étaient pas pour moi, c'était pour les Yamato. Bye bye Yamato. Ça pique. Ça, c'est les canons arrière. On va essayer de mettre du canon avant, si je le vois. Putain, je lui fais rien. Canon avant. Ah, Linden prend trop cher. Les mecs, ils nous enfoncent, quoi. Il y a deux DD. Oh là 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 là. Je la torpille dans tous les sens. Jusque là, j'esquive, mais combien de temps? Allez, adios, Linden. Je suis le dernier survivant. Allez, ça, c'était pour moi. Je vois plus un chat. Je suis toujours repéré. Les mecs, ils vont avancer. Hein. Ça, j'y ai plus vu. Arrête de tirer sur les chaloupes de chauffetage. C'est pas sympa. Bah oui, je sais. C'est pas sympa. Allez. Trop. Ah, GG. Très bien, le Colbert. Toujours repéré. Du coup, je vais loin. Sur la première salve, 1300 sur la deuxième, de la merde. Henri 4 ici, très rapide, 12 secondes. Possible à toucher cette bêtise. Oui, l'Atlanta est toujours très bien. C'est un très bon navire. Mais attention, il demande certaines expertises pour être joué. Il a tiré en approche. Chaud à avoir. J'arrive pas à toucher. Je suis en train de fuir comme une nouille. Je peux rien faire, j'ai fait 28-4 dommages, c'est juste ridicule, j'ai envie de me cacher. Salut Breznevi. Salut Charlie. Le meilleur T7 disponible en croiseur ou destroyer. Faudrait revoir les T7 parce que des fois je me mélange les pinceaux entre les T7, les T8, tu sais. Salut Tonton.
Oh, si on avait de quoi défoncer les délais un peu, hein, franchement. Ce serait bien, le problème, c'est les délais, quoi. Il faudrait me les montrer un peu. Des games et avec et sans, et là, oui, là, c'est sûr que là, ça le fait pas. Vinyle. Ça veut dire, mais qu'est-ce que tu fous? T'es trop loin. Ah, la H4, putain. H4, 12 secondes. On voit plus, on voit plus personne. Peut finir par lui faire mal à force, hein. Ça va peut-être finir par rentrer, hein. Ah non, ça rentre pas, quoi. Je lui fais rien. Je vais finir par prendre cher. Il reste plus que moi. J'essaie de le tirer dessus quand même. Allez! Allez! Oh! Bon Dieu, il lui reste plus rien. Là, je vais commencer à prendre cher. Je suis tellement tout seul. Nice. Je prends deux double incendies. Là, j'ai fait 11 000. On va faire on va prendre cher. Non, alors je prends tout dedans, je prends tout dedans. J'ai tout pris. À force, hein, on peut pas tout faire non plus, hein. J'ai fait 58K, j'ai repris un peu. Salut, Magdalene. Tu fuis comme une nouille. Bah, faut autant de dégâts qu'une nouille, mais bon, je suis une nouille morte quand même. Une nouille cuite maintenant. Possibilité de revenir les DD, ces satanés DD là. Quand on n'a pas de contre, quand on n'a pas de visibilité. C'est fort, fort dommage. J'ai pas d'autres demandes de bateau pour l'instant. On va faire une partie en Atlanta, alors, histoire de montrer ce que je peux faire avec. Parce que ça me fait plaisir. Je crois que l'Atlanta est un des navires sur lequel j'ai le plus de parties. Alors, y a souvent des parties sans, hein. Il y a souvent des parties sans. Des fois, il y a des parties avec. Et voilà, j'aime quand même bien. C'est un destroyer, hein. L'Atlanta est un destroyer qui n'a pas de smoke, hein, ni plus ni moins, hein. Quand on est en cuirassé, Tarkot, c'est pas évident. Surtout quand c'est pas balancé, tu vois. Quand on a perdu tous les nôtres et qu'il n'y a plus que les leurs, bah. Là, je veux pas dire, hein, mais voilà quoi, ça pique. Ah, un Atlanta pour la forme. Eh bien voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec. Alors, de l'avion. Ça c'est bien, je m'en fous. Un Bliska. Oh là, dis donc. Encore un navire qui prend la poussière.
Alors, un Shokaku. Minnesota, Jean-Bart. Roma, Seattle, Baltimore. Yoko, Shore, pas de DD. Un seul DD. 5 DD, un PA. C'est sûr que là, ça commence à être vraiment la fête. Alors, l'idée, c'est d'aller. Je vais me cacher sur A. Non, peut-être pas trop. Sur B. Et on va essayer de voir comment on va faire après. Tu veux que je refasse un Atlanta après, Blanard, vu que j'ai déjà une petite demande? On peut faire double game en Atlanta. Vous avez mon superbe Atlanta des vacances. C'est l'été. Il fait beau. Il y a des palmiers. Ils nous ont proches. Shokaku en arrière. Où est-ce qu'il va notre Shokaku? Ah ouais, Shokaku il va se planter sur C. Alors ça a beau être un tir en cloche, c'est un peu trop clochesque. Tu vois, ça passe. Ah non, pas deux Atlanta. Un Fujin derrière, en espérant avoir un peu de chance. Ah, j'ai mis un radar, moi. J'ai mis un radar sur mon Atlanta, mais pourquoi pas? Je vais prendre cher. Voilà, ça c'est déjà fait. Ça c'est fait. On a pris 10 000. Trop bien. On va aller se cacher. On va vite aller se cacher. Voilà, il est fragile, hein. Le problème c'est qu'il a, il a, il est 13, 13-3, c'est rallongé, hein, déjà. Hein. C'est rallongé. Donc on peut pas tirer sur grand-chose. Là, je vais prendre un tir en approche. Là, l'autre tir en approche. Voilà les deux. Plus qu'un week-end. Alors, l'intéressant c'est le 8-5. Allez au 8-5. Il est là. Surprise, motherfucker! Ah oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on doit faire, monsieur. Voilà. On a supprimé un DD. Ce que le Baltimore ne sait pas, c'est que je passe derrière. Derrière,
C'est d'aller caper. Ça va être chaud. Non, il y a déjà. Ça va, Galman qui y va. Il y a l'avion. Salut à Forastero Pain. Ah, balistique en super cloche, tu veux dire. En supra cloche, même. C'est parce que j'ai rallongé la portée, hein. C'est de la cloche de l'extrême. Je vais mettre mon nez dedans. Alors juste mon nez. Parce que bon, voilà, c'est pas tout ça, mais. Merci, août 61. Je passe. Là, je passe pas. Là, je passe. Neuf secondes, hein. C'est loin à 9 secondes. Mais si on arrive à le toucher, ce sera la fête. Toucher. Toucher. Après, faut qu'on les contienne. Faut qu'on les contienne. On les contienne. Je passe au-dessus. Hein. Il m'indique montagne, mais c'est faux. Double incendie. Ça passe sur le Minnesota. Là, ça passe aussi. Ça passe pas sur le Baltimore, ça passe un peu sur le Baltimore. Il double brûle. Alors à la carte, je vise à la carte. On vise à la minimap. Là, je passe plus. Je prends le tir en approche. Non! Il me fait horriblement mal. Il a pas ses canons sur moi, le Roma. Essayer de tirer sur lui. Peut-être que je me le casse. Il ne se taillait pas de bonne forme. Ouhouhou, il me reste 8. Allez, on s'en va vite. Non, c'est pas vrai. Ah, j'ai cru qu'il était bon en entière, hein, l'Atlanta. Esquive, nene. Ça touche un feu. München, Ducal Abruzzi. C'est différent. Ils sont clairement différents. Minnesota, donne-moi le Minnesota. Minnesota est trop loin. Le Roma. Il est à l'arrêt, le Roma. Un feu. Le temps qu'il me le regarde.
possible. Plus personne me regarde. C'est lui en mettre plein les dents. C'est des feux, hein, il lui faut des feux. Ça va, on tient bien avec. Il y a de l'antir encore qui arrive. Allez, Roma, prends feu. Ça risque d'aller mal pour moi. Seattle. Ah, oh, je les décape. No, no. Ah, dommage. Il m'a eu. Ça touche encore. Ça met tellement longtemps à toucher, mais ça touche. 50k. J'aurais pas pris la... Ah bah c'est clair, c'était du... C'était 2-3 feuilles de palmier qui me faisaient tenir le navire. Il me restait 8 HP. Ah, faudrait aller caper derrière. Ils sont assez low life hein, les mecs hein. J'ai abattu que 8 avions, je suis assez surpris quoi. Alors que quand même quoi, l'Atlanta est quand même réputé être... Oh. Quelque chose me dit que ça va être difficile de la gagner. Ils sont beaux de low life les mecs. Ah ouais, mais ça va, le Moussa est bien placé. Le Moussa est très bien placé. Il fait juste un carnage quoi. Les mecs sont broadside. Quand il prend cher. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que couler un DD avec un HP, c'était plutôt pas mal. J'avoue que j'ai jamais fait mieux. Comme quoi, hein, on est toujours combatif même avec un HP. Hein. Bon, allez, 600... ouais, je pense que là, le Musashi, vraiment, il faudrait que... Il faudrait que notre Pomern aille caper A quoi. C'est pas mal. Musashi en train de se faire plomber. Il y a des bombes qui sont tombées là. J'ai entendu le... J'ai pas vu le plouf ou le boom. C'est bizarre. Bon pour moi, elle est gagnée. Alors je retourne au port. J'ai des navires à faire. Je vais vous faire gagner des choses. Vous commencez à être 84. Ça me semble pas mal. On va aller, tiens, on va aller là. Voir si combien. J'ai commencé plus ou moins en même temps que Momo. Il est malin, Momo. Il est malin. Momo, il commence avant moi. Comme ça, il dit au moins, il y aura du monde qui va aller chez moi. Et qui va rester chez moi. De nous, il commence à 8h. Alors moi, je vais commencer à moins le quart. Ah non, hein, je commence à moins le quart aujourd'hui, moi aussi, comme ça, voilà. Momo 55, moi 84. Comme ça, au moins, il n'y a pas de Momo à 150 et Neuneu à 55. Salut Alexandre. Au moins là, voilà, 84, c'est bien. Suffisant en tout cas pour pouvoir lancer un giveaway. On va gagner des packs de camouflage de l'abonné. Y en a 10. C'est 10 PO. Vous savez comment faire. Hein. Voilà, je vous laisse faire.
On se fait concurrence à tous les deux, Alexandre. Il me gêne et je le gêne. Après, chacun va voir le streamer qu'il veut, mais on est bien d'accord que ça coupe un peu la base en deux, quoi. Au lieu d'avoir 150 personnes qui regardent par défaut, neuneu, parce que ouais, c'est la OSFR, mais bon, neuneu, j'aime moyen. C'est ah, ben moi je préfère Momo. Et on parle pendant 3 heures, mais au moins, voilà. Et bah, je sais pas. Je sais pas ce qu'on pourrait me trouver de pas bien. Je suis sûr que j'ai plein de défauts, que j'ai des gens qui m'aiment pas. Parce que peut-être parce que je suis un mauvais joueur. Je suis rigolo, j'anime bien, mais je suis pas très très bon. Faut dire ce qui est. Il me semble bien que j'ai un mec qui traîne là. Voilà, ma voix est trop reposante, elle fait s'endormir, tu sais. Allez, je suis en pleine forme, je regarde des neuneux qui. J'endors les gens. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui restent là, en fait. Je les ai tous endormis. Je ne lance pas de. Vous êtes tous en train de prendre des trucs. Oh merde, le Bliskawica, j'avais un Bliskawica. Il va falloir que je commence à prendre des notes. Un München, un Gneisenau. J'avais un Bliska. Un Bliska et un Fujin. Je ferai le Bliska juste après. La neuneu croisière est plus reposante. Et voilà, c'est le décor. Le décor est important. Ouh, nous sommes en T7 et il n'y a pas d'avion. Ça, j'avoue, c'est bien. Par contre, il y a un Sims Black. Et ça, c'est moins bien. J'avoue, ça c'est moins bien. Le Sims Black me trouve, il me défonce. Il y a un Wyoming qui s'est perdu. Et il y a un Wyoming en division qui s'est perdu, ouais. Il y a un Kaiser en face, hein. Un Kaiser qui s'est perdu aussi. Je vais éviter B. Je vais plutôt attendre de voir ce qui se passe. Il n'y a pas de dame à bord, j'ai pas à leur montrer ma maison. Donc je m'approcherai pas trop des côtes. Oh, regardez ma maison! Vous voulez voir ma maison? Regardez, elle est là. Est-ce que je peux faire des snipes? Oui, éventuellement, c'est éventuellement possible. Vu qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais comme là, vous êtes tous en train de prendre des tickets pour le giveaway. Je voulais pas que ça genouille, mais oui, c'est faisable. Alors on fera un snipe en Bliskawica après, donc en T7. Il y a de l'orage, dites donc. Mais c'est le croiseur qui est devant moi, c'est pas normal. C'est en train d'être capé. Crap. Merde, c'est le Sims. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. Faudrait que j'arrive à le spotter. Qui va sortir de la zone, je pense. Il smoke. Il s'en va quand même encore. Il revient. Il sort pas.
Il est sorti. Et moi, j'y rentre. J'y mets juste le nez. Il a pas l'air de... Mon Dieu. Marche arrière. Boum. Qui touche. Marche arrière. On va l'aggrader si je le revois. Le Sims. Il est revenu à la charge. Je vais pas le louper. Allez. Accélère! Wow, merde. Le Congo. Oh Dieu du ciel. Bonjour Congo. C'est pour une livraison à domicile. Oh my god. Oh je vais avoir mal. Par contre je wipe le Congo. Oh mon Dieu. Tiens Congo, tiens, cadeau. Il m'avait pas vu. Il m'avait pas vu. Oui. J'ai mal. Non, attendez, attendez, c'est pas drôle. Je l'ai torpillé dans 15 secondes. Oh là là. Oui. Oh, je souffre. Oui. Je suis plus visible. Allez, l'Iron Duke, en espérant qu'il bouge pas trop, ça va le faire. Oh mon Dieu, quelle partie! On va bien voir comment il bouge. Là, je m'en vais, hein. Je vais me mettre au vert. Ah, dommage. Dommage, il a fini par avancer. Elle était belle. Franchement, le Congo n'a absolument pas vu deux alliés qui se sont entretués. Oui, c'est ça. En effet, on a du moins un. On gagne, mais avec des gens qui se sont fait TK. C'est plutôt pas mal comme idée. Je vais aller chercher le cuirassé. Karemi Dadi qui était à moins 1 vient de repasser à 0 puisqu'il a fait il a fait un 1 et un. Alors, je vais devoir me faire tout petit. Hein. Je vais vraiment me faire petit. On va essayer d'aller choper le Piotr. Il n'y a plus grand chose à choper mais. Je pense qu'il va tourner. Voilà, ouais, il tourne. Voilà, ouais, il tourne. Voilà, ouais, ça y est, il y est là.
Non! Oh, c'est moche. Allez, prochain navire, un autre Piotr. Les torpilles, elles étaient bien. Alors, on va aller. Je sais pas, fais point d'exclamation PO, John. Tu vas voir combien t'as de PO. Ah, ça se tombe carrément, hein, j'avoue. Hein. Je vais me dépêcher. Vas-y, les contrôles bord, ils freinent. Ah non, pas tant que ça. Il va peut-être se les prendre. Tiens, prends ça. Tiens, encore une et deux. Voilà. Et hop là! Je t'ai dit John, tu fais point d'exclamation PO, tu vas connaître le montant de tes PO. Il t'en faut 10 pour acheter un ticket, c'est pas compliqué à comprendre le système. Hein. Ça marche avec un ticket et t'en as 50 quand tu arrives à la base ici, ce qui fait que tu peux en prendre 5. Si t'en as déjà dépensé, ben je sais pas. Je sais pas, faut attendre que ça remonte. Je regarde sur le chat que tu fasses point d'exclamation PO. Un tuto comment bien couler. Alors des fois le bot il est un peu feignant parce que le PC qui le fait tourner est un peu feignant, mais il finit toujours par donner le truc parce qu'il est vaillant. Tu vois, il est vaillant. Un peu lent mais vaillant. Voilà, t'as 54 PO John, tu peux prendre 5 tickets. Ah bien sûr, si tu fais point d'exclamation, c'est 10 comme tous les autres, ça marche pas. Parce que 10 fois 10, ça fait 100. Toi, tu peux faire 10 fois 5. Donc, tu peux prendre 5 tickets. Point d'exclamation, c'est espace 5. Voilà l'idée. Et bien, une belle partie. Une belle partie, ma foi. Et je me retrouve troisième. Et Carrie machin qui fait un TK, au final, est devant moi. Bah, bravo. Et si vous faites pas d'espace entre les CC et le nombre de tickets que vous comprenez, le bot il comprendra rien du tout lui. Un Bliska Wicca. C'est du T7. C'est là. Il me faut un commandant. Qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai un commandant de 10 points, ouais, peu importe. C'est largement suffisant. Ah non, non, les PO et les points de chaîne sont complètement différents. Salut le Parisien. Et voilà qui est très bien. Du coup, j'aurais tendance à vous proposer un snipe en tier 7, s'il vous plaît. Je vous rappelle que derrière ma session jusqu'à 22h, il y a Seb qui reprend. Et pour les amoureux des sous-marins, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne personnelle, Neuneu-bas, pour aller faire du U-boat. Nous sommes en B128, la dernière version sortie.
Et je viens de couler l'Illustrious à ma première sortie. Je suis assez content de moi. Je suis assez content de moi. Faut dire ce qui est. Bon, faut que je puisse survivre après à... Ils sont pas contents. Ils sont vraiment pas contents que j'ai coulé leur porte-avions, mais oui. En effet, je trouve aussi. J'ai gardé un peu d'ancien, mais j'ai du nouveau. En t-shirt. Il me vend très bien d'ailleurs. Les PO existaient avant. Exactement, en fait. C'est Twitch a vu comment ça se passait. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Twitch a vu comment ça se passait avec les PO et s'est dit, waouh, ouais, c'est une excellente idée, on va faire pareil. Je viens de comprendre comment tirer les torpilles. Si, si. Si, 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 ça y est. J'ai trouvé comment faire. J'ai mis du temps, hein. Mais ça marche bien parce que j'ai coulé l'Illustrious, donc. C'est pas rien ce porte-avions, mine de rien. Ouais, salut! Comment ça va? On n'a pas passé loin, hein. Alors, je suis visible à 6-8, ce qui est quand même pas mal loin, je trouve. Là, j'aimerais bien me couler un pétrolier qui est à l'autre bout du convoi. Le problème, c'est que je vais devoir échapper à pas mal de monde déjà. Ça va être un peu compliqué. Je reprendrai ça à 22 h, donc sur ma chaîne perso, juste après ma session. Je vais smoker. J'ai smoké là, non? À un moment donné, faut y aller quand même. Pour Algérie, prend cher. Comment ça va être trop loin pour moi toute cette bêtise? Je vais aller chez le Fubuki. Peut-être que sa smoke dure plus longtemps que la mienne. Ah si! Bien sûr que je suis content d'avoir détruit un porte-avions anglais. Oui, Filou, c'est incroyable! Filou nous offre encore 500 bits! Filou ne veut pas avoir son record battu par qui que ce soit. Donc du coup, il veut gagner plus de PO aussi. Bon, ça m'intéresse. Pasteras qui traîne. Merci Polycarpo61 pour ton follow. Bienvenue à toi. Je comprends rien de ce qu'il raconte. Bonjour, bonjour. C'est vrai, c'est du polonais, c'est vraiment moche. Le polonais militaire, c'est. Je comprends pas trop ce qu'il dit, mais. Le record de. Il a un badge 5000, Filou, donc avant que je tienne des comptes. Avant que je tienne des comptes, ben Filou, il. Il pète déjà du record à plus de 5000, hein. Je pense que c'est Filou qui est en tête. Là, moi, je tiens un compte sur le générique. Vous le voyez plus après. Hein. C'est très disponible, hein, ma. Lui n'est pas surchargé, on va dire. Et
Et il n'y a que sur le générique que je le mets, donc faut suivre dès le départ ou regarder le replay pour voir son nom. Je la sens pas cette affaire. Je la sens pas du tout. Je vais pas avoir de support. Je vais être tout seul. Je vais attendre là. Si jamais il sort. Il sort. Il est en... Lazachio, il est en panique. Je lui fais pas mal du tout. Attention, il y a un autre DD. Qui lui pourra me tirer des torpilles. Tac, mes canons arrière. Tu vois. Je l'ai vu sur la map. Je l'ai vu sur la minimap, le cochon. Nice! Plutôt bien ça. Plutôt bien, plutôt bien. Parfait. Par contre, je me sens seul. Lexington va me voir. Chope de l'avion. Il est sympa le Bliskawika quand même, ça va, ça fait l'affaire, hein. Franchement, il fait le job. Oh, Flipper, tu peux faire point d'exclamation top 10, tout attaché. Tu vas voir, il y a des scores qui pètent tous les niveaux. Hein. On va essayer de descendre. Oh, j'en ai marre, je vais prendre encore un Lexington dans la. Plus plus, Alexandre. Tu vas chez Momo, je le sais! Dis-le que tu vas chez Momo. Tu vois, 626 000. Tristam, premier. Toujours premier. Ouais, mais bon, ça va, c'est fun à jouer, je trouve. Chasse, chasse, en effet, il chasse les dédés. Pas assez loin. Je vais le chercher. Il pourra plus me faire grand mal. Sauf s'il se fait tuer par. Allez, on va y aller un peu plus vite. Brichku, brichku! Là.
Nice! Voilà! Brockschwock, Alabama! Friend Alabama! Tu m'as percé des trous. Incendie! Ouais, il m'a touché. Alors, encore 50 secondes. On peut essayer de shooter le fuseau. Comme ça, le fuseau. Oh, intéressant. Il tourne. Forcément. J'ai du souci à me faire, par contre. Incendie. Il va me tuer. Si c'est pas lui, c'est lui. Oh, tu... Ouah, il a esquivé mes torpilles. Je suis pas faire demi-tour. Par contre, adios amigos, quoi. Par ta viande dessus. Oh, incroyable! Je me suis fait tuer par des trucs devant, Alabama ou Littorio. Allez, mais éliminez-moi ce fuseau, quoi. Il est tout neuf, quoi. Regardez-moi ça. Ouais, mais il savait que j'étais là. Il avait mes canons sur moi. Il avait ses canons sur moi, ça allait quand même peut-être pas évident. Mais là, c'est une partie sympa quand même. Oh! Il va effacer le suret. Non, il a mal tiré. J'ai eu peur. Ah, il y a du monde dans la zone qui est en train de caper. Il y a un DD qui est en train de caper. On va la perdre. C'est dommage. On arrive à 21 h. Je vais faire un premier tirage à l'occasion de la prochaine partie. J'avais donc un Munchen à faire et un cadeau à donner à Filou. Alors, on fait pas slash, on fait comme ça, on fait point d'exclamation. KDO. Filou. Filou. Filou 67 19 67 1500. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Merveilleux. Je sais plus ce que je dois faire. Il y a un Munchen et un Gneisenau. 34-37. D'abord le Munchen, ensuite le Gneisenau. Alors, Munchen.
Taxpus t'es classé par. C'est un T7. De toute façon, si vous en prenez. Tu me donnes 0,4 PO, c'est gentil. Je sais pas si ça va me mettre. Ah oui, mais tu mets des comptes pas ronds chez les autres gens. J'ai un personnage de 12 points. Voilà. C'est mon mec Dinden qui est sur le Munchen. Très bien ça. Non, mais on va lui mettre des. On va mettre des petits drapeaux, genre des petits drapeaux comme ça, des petits drapeaux comme ça. Et puis. Camouflage, flamme rebelle, genre. Ce serait pas mal. C'est moche, mais ça marche bien. Parfait ça, merveilleux! Mais non, ça passe pas. Si tu fais point d'exclamation PO, tu verras bien que tu as 100 de prix en charge. Et pas plus. Ça voudrait dire que tu prends pour 10 millions de PO. Tu les as pas. Alors la banque fait crédit. Chut, faut pas dire. Un snipe en T7, s'il vous plaît. Je me rappelle plus de ce que ça donne le Munchen, si c'est bien, si c'est pas bien, je sais plus trop. Hop là, merci. Oh, on est parti très vite. Pendant ce temps, chez Momo. Momo est à 65. Il est dans le port, il discute. J'ai envie de dire, c'est un peu normal. Oh, My Dodge est à 48. Les Wazix. Wazix a l'air de beaucoup s'aimer. Parce que l'autre jour, je le voyais. Ça a l'air d'être un petit jeune. Hein. Je le voyais en pleine cam. Il jouait pas. Il discutait. Il faisait du live chat. Ah, on part à zéro normalement. Pour moi, on est toujours parti à zéro. Donc, du coup, est-ce que j'ai snipé quelqu'un? Le chat noir. En scan, j'ai l'impression que c'est à nous ça. Salut Renberg. Alors j'ai un avion de chasse et j'ai de l'hydro. De l'hydro à 5-5. Ce qui est quand même ce qui pourrait servir. Avec le torpille à 3. Torpille à 3,75. C'est vrai qu'en général, je pars à go, moi. Je pars à 0. Je pars pas à go ou à truc muche après 0. Je pars au 0. Oh, merveilleux! Rien que ça y est, j'aime ce navire parce qu'il a une sonnette en boîte à meux. Boîte à meux. Boîte à meux. Ah, la boîte à meux. J'adore la boîte à meux. Il rejoint le club très fermé. Le club très fermé des bateaux boîte à meux. Smolensk, le Molotov, le München.
On a battu un peu d'avion quand même. Elle est étrange cette vache, mais les vaches qui font la vache dans la boîte qui fait mieux, c'est. Moi, ça me fait vraiment penser à une boîte à mue. Je te vois plus. Il a poké, oh, il est mort. Je me dis poke, il est mort, le pauvre. C'est ça! Il y a une vache dans la boîte à meux. C'est exactement ça. J'ai bien le Munchen, j'aime beaucoup sa cadence de tir en fait. Bon, j'aime moins sa dispersion, mais. Bon, demi-tour. Je veux pas dire, mais je suis loin de tout, en fin de compte. Je me suis pas trop mouillé. Bah oui, 5500 de dommages. Waouh! Trop bien, ta game. Quoi, les mecs, ils avancent par là. Va falloir essayer de leur contrebalancer quelque chose, parce que... C'est mieux que les Pokémon. Bah oui. Je connais pas beaucoup de Pokémon qui font ce bruit-là. Enfin, si vous m'en trouvez un, regarde. J'achète. Je te capture. On serait trop amis. Lui et moi. On communiquerait très souvent. C'est n'importe quoi ce stream. Ah, je suis repérado. Comment se fait-ce? Par quel sortilège? C'est vraiment pas cool. Ouais, du monde. C'est un Arizo, il bouge pas. Je le pisse trop mal alors que j'ai une bonne. Oh, je suis passé dans les arbres. C'est sympa le Munchen. C'est clairement différent d'un Atlanta. Hein. C'est là, avec le Munchen, tu tires beaucoup plus loin, donc t'es beaucoup plus safe déjà. C'est vraiment clairement complètement différent.
Oui. Faut savoir viser quoi par contre. Parce que à 13 secondes. On est quand même, je suis quand même loin sur ses fesses là. 13 secondes 5. Algérie. Salut Algérie. Ah non. Nürnberg. Par contre, je suis fragile, quoi. J'ai l'impression que je fais rien, j'ai l'impression qu'il me défonce. Ah, le bombardier du Ryujo arrive sur moi, c'est super, j'aime ma vie. Oui, hein. Battu quelques avions, bon, pas beaucoup au final. 4 avions, 3 avions. J'ai vraiment cru que j'avais abattu plus d'avions que ça. Bon, là, on va caper. Je vais me prendre la fureur de l'avion, mais c'est pas grave. C'est clairement deux salles, deux ambiances. Qu'est-ce cool, t'en reviens pas de ton Yoshino. T'en as juste marre de ton Yoshino. Je passe à la paix. J'en ai marre. Je vais lui faire des gros trous à la paix. Tiens là. Voilà, tiens, tu le vois le Munchen là? Tu le vois bien le Munchen? Tiens, regarde. Tu vas me tuer ce con de navire. J'ai besoin d'aide. Parce que mes obus sont en mousse. Sincèrement, j'ai des obus en mousse. Des obus en carton-pâte. Et le Nürnberg va me tuer. Mais oui, mais je fais que ça. J'ai besoin d'aide. Mais je suis en train de faire quoi là, à ton avis? Je suis en train de me faire défoncer.
Oh non, 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 pas moi. Ouf! Ah, super, mes chasseurs sont partis lui courir après. Merveilleux, merci. Les combats, pas prendre de si tard. Il me reste 1131 points de vie. Je vais me mettre tout près du Nagato pour profiter de son AA. Parce que quelque chose me dit que il va venir me finir en fait. Donc je vais me mettre derrière le Nagato. Mais il a d'autres problèmes, hein. C'est ça tire beaucoup, mais ça fait zéro dégâts. Après, il est plaisant à jouer quand même. Bah, j'ai fait que 30K, quoi. Oh. Le Pommern sera encore là dans deux mises à jour. Le Georgia n'y sera plus. Donc, je te conseille le Georgia. Pour prendre le Pommern après. Je crois que j'ai IFHE dessus, mais ça sert pas à grand chose. Non, tu me diras non, c'est un autre commandant. C'est le commandant de Maninden. Donc non, j'ai DE et pas IFHE. Mais j'ai simplement pas eu de chance. Ils vont enlever le Georgia. Ils vont enlever l'Alaska. Et ils vont enlever. Le Massachusetts. Pour la simple et bonne raison qu'il y en a trop. Ça fait l'effet T-59 sur World of Tanks. Pareil. Et le Smaland. Le Thunderer aussi. Oui. Il y en a trop. Ils les revendront dans des bundles très chers. Donc chopez-les. Si vous avez la capacité de pouvoir les choper, chopez-les. Ah si, il y a d'autres navires, mais... Pommern est très bien. Hein. Il est vraiment très très bien. Bon ben voilà, c'était sympa ça. Je suis venu en touriste en Munchen et au final je m'en sors quatrième, quoi. 19 avions. Bien mieux que l'Atlanta. Ok, et maintenant on va faire un tirage. Déjà parce que là il est waouh, il est l'heure. Alors, attention, je ferme. Salut, Seigneur Mathieu Macuru. J'ai du mal à lire. C'est fermé. C'est fermé. C'est pas fermé. C'est fermé. Prendre le Thunder, Georgia, Charbon, Alaska, Smaland. Bah oui, mais c'est pas évident ici, les gens que ne le sont pas. J'ai besoin d'un gagnant, c'est Charlot. Charlot 97 One qui gagne. Alors je vais te donner ça tout de suite. Ouh là là, Momo remonte à 82. C'est les gens qui étaient chez l'autre sont allés chez Momo. C'est moche.
Qu'est-ce que je cherche, moi? Ah oui, je cherche à voir le chat. Non, pas ça. C'est comme ça. Je suis bien une personne pour avoir. Il y a de la pub. Comment ça se fait qu'il y a de la pub? Oui, merci, Tarkrod, pour ton hosting. Je vais voir le chat. Le chat. Merci. Tout est bon à prendre. Moi, je suis à 107. D'après Twitch. Nous cherchons donc quelqu'un qui s'appelle. Ça y est, je sais plus déjà. Qui est-ce qui a gagné? Je vais regarder ça tout de suite. Charlot97, voilà. Ah, donc ça commence par C. On fait H, Charlot97. Hop là. Je chuchote un lot de camouflage. G. Mais c'est pas fini. Il me faut un deuxième gagnant. Attention. Simon va de bien. Boum, c'est Breznevi. Alors, Breznevi, avec un B et un R. Voilà, je chuchote ça. GG. Ensuite, il m'en faut un autre. Un autre gagnant. Oh là là, c'est fou. On en est à 3. Le petit Marsu. Ouh, ça fait longtemps que le petit Marsu, il n'est pas gagné chez moi. Tiens. Hop là. Ah, et ben, janvier, le dernier code que je t'ai envoyé. Avec mon compte neuneu. GG. Et un autre gagnant encore. 3. 1, 2, 3, 4. Oui, encore. Et les autres, ça pour demain. Je marque ça comme ça. Hop, et qui est-ce qui gagne? C'est. Il s'agit de. Cobra Silver. Satora Silver, pardon. Cobra Silver, n'importe quoi. Satora Silver, GG. Et. Voilà qui est fait. Est-ce que j'avais un navire particulier à faire? Ah oui, un Gneznou. J'ai un Gneznou. Je vais clear le drawing. Alors, c'est du T7. C'est allemand, c'est un cuirassé. Je vais là encore, en apparence, passer en flamme rebelle aussi, pareil. Il est moche, mais au moins on gagne. Pavillon, on a ça, je vais mettre ça comme ça. Voilà longtemps que je n'avais pas joué avec le Gneznou. Ah, du Twitch Drops, c'est super bien, je prends. Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, un snipe en T7? Il nous reste 40 minutes.
Merci. Alors moi, ce que je voulais regarder. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment à vendre sur la boutique premium? Vas-y, charge. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, c'est tout, c'est pas un magasin. Demi-tour, demi-tour. Ah, ok. What else? Ça, c'est les ARP. Tout type tour, toute notion. Low Warspite caritatif. Un low Dreadnought caritatif. Ouais, j'ai pas vu que Schlacht Begint quand même. Salut Kojak et salut Sniper. Ouais, ils ont mis le camo gothique du Bismarck. Pourrait le faire gagner. Combien il est? Oh, je suis pas bien placé là. Je regarde s'il y a des gens qui sont en face. Que je connais. Stevie 59. Des fois, les gens me snipent, mais ils disent rien. Puis des fois, en effet, c'est tout à fait par hasard qu'on se retrouve au même tir avec un francophone, mais ça, quand même, ça me met quand même la puce à l'oreille. Pas de DD là, que de DD. Les deux DD, ils vont. S'il y en a un qui passe sur A. Vous êtes pas fou non plus. Mais je ne vous ciblerai pas forcément. Je suis. Ah ouais, 1 350 000 crédits qui donnent avec. Ouais, je suis certain que ça pourrait intéresser des gens. On pourrait faire ça. Hein. Après, ça reste un camo. Je préfère quelque part offrir un Pommern, par exemple. Ça, c'est du navire qui pète, quoi. T'offres un Pommern. Ça fait plaisir. Il a que 10 points, mon commandant de Gneisenau, je suis assez étonné. Je me rends compte maintenant. Ouais. Non, le prix d'un camo T10, c'est 8 000 doublons. Bah, 8 000 doublons. Ouais, 5 000 doublons. 2500. Ah ouais, tu me diras, oui, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est le prix d'un camo T10, t'as raison. Bon, le boys, si j'arrive à le toucher, c'est la fête. Ouf, voilà Cita. Voilà Cita du boys. Salut, c'est Capuche, ça va? Vous venez tardivement, dites donc, vous traîniez ailleurs? Oh, me dites pas que vous étiez chez Momo. Quand même. Non, pas vous. Alors, on va essayer d'aller choper
Charnorst, oh, qui vient de prendre une bonne baffe là. Neuf secondes, Charnorst. 8 secondes, il est en train de tourner. Ah oui, c'est sûr. Oh, deux ricochets. Ah bah bravo. Suret qui traîne. J'aime bien ça, le suret, ça sent l'overpen. Oh, ça sent l'overpen. Oh, quel fusil à pompe, le machin, quand même. Voilà, overpen. Ah, voilà, quand même, la cita. Ouais, sur le char Nord, ici. Oui! Oh, j'ai mal! Ça fait mal les 10 000 là. Oh, j'avoue, il m'a mis une bonne baffe. Il a plus ses canons sur moi. Ah, moi aussi je peux le faire, regarde! Bon, de manière beaucoup plus désordonnée, mais je peux te faire 5 000 quand même. Voilà, ça fait marche arrière ici, là. Oh, mais cette dispersion, quoi. Duca degli Abruzzi. Clongue. Par contre, mes mecs sont bourrés, hein. Mes artilleurs sont bourrés, donc désolé, je ferai pas, le taf. Ça fera pas le taf. Tireront n'importe où. Ils sont incapables de tuer. Ah, la secondaire, merci quand même. Je peux y attendre. Non, je vais tourner. Toi, t'es toujours broadside. Viens là. Allez, Charles, viens. Bon, on va tirer de la secondaire, tu vas voir, ça va être fun. Oh. Ça fait mal, mais je lui ai fait 8 000, 3 000. Là, toutes les secondaires tirent dans tous les sens.
Incapable de le toucher. Incapable de le toucher. Alors qu'il a 300 points de vie. 84 points de vie. Ah, voilà quand même. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Unser Team hat die Führung übernommen. Y'a Gnezno là-bas, mais complètement neuf, quoi. Capitaine, ah vous non. En vue à l'horizon. Gnezno. Ouh, incroyable, merci, sac à puce. On passe à l'HE. Faut vite le brûler. Ils ont un FK. Tirer à un endroit où... Tirer à un endroit où il n'y a pas encore d'incendie. Et prier pour que ça touche. À l'arrière. Avec à l'arrière, peut-être avec un peu de chance. Il n'a pas d'incendie encore là. Ah bah non, ça n'a pas marché. Il brûle comme une saucisse. Ouais, mais vas-y, prends ton incendie à l'avant, là. Ah, voilà, c'est bien. Bah, pas longtemps, hein. Ah, oh. C'est quoi, c'est le lion qui me tire dessus, hein? C'est moi aussi, hein, j'ai... J'ai de la cheu aussi, hein. Salut Tony. Tiens, boum, prends un feu. Oh, il l'a éteint tout de suite. Il l'a instant répare. C'est ma chance. Je vais attendre un peu. Avec un peu de chance. J'ai tiré comme s'il tournait. Et il tourne pas. Ah mais non quoi. Ah mais non, c'était mon feu ça. Que dalle. Bon, on arrive à 82k, moi je dis c'est quand même pas mal pour un Gnezno. On est en T7, qu'on dit quand même fusil à pompe, on dit que le navire n'est pas bon. Alors que si, en fait, il est pas trop mal. Faut savoir sangler, et puis... puis voilà, tiens. J'ai que de la cheveux, ça tira quand même. Il y en a trop, je vous le laisse. Oh, il tourne. Bon, il n'aura pas le temps de le tuer, lui. Ouais, bah c'est un gros fusil à pompe, hein, c'est clair. Mais on a quand même fait 82,4 dommages. Qu'on le monte secondaire avec un commandant, ça peut être sympa parce que là j'aurais pu. Ah, je suis deuxième, j'étais presque premier. Bah oui, éventuellement, sac à puce. Tiens, viens, j'ai fait combien avec mon commandant là du coup? J'ai pas fait gaffe. Mon commandant a fait 19 000 points. C'est bien. Histoire de le monter un peu. Alors non, pas en Gnezno. Je dois faire du Duca degli Abruzzi. Un duc des abrutis. Alors, le duc des abrutis, il est T7. Il est italiano.
Et il les croise abrutis. J'ai encore un 10 points dessus. Ah non, c'est un 10 points. 10 points qu'il avait pas ses 10 points. Ouh, Filou qui a envoyé 1000 bidules. Tu es fou, Filou. T'es complètement fifou. Je sais pas ce que je vais faire de toi. Mais arrêtez-le. Arrêtez-le, il s'envole dans les scores. Il va falloir que je remette à jour mon générique. Tu te rends compte de ça? C'est incroyable, tu me fais faire du travail. Je sais pas quoi faire. Alors j'essaie de retrouver mon cahier spécial Filou. Ah, il est là. Donc je marque plus 1500. Parce que c'est tout ce que tu as offert à l'occasion de cette soirée. Bon, t'es pas prêt de quitter le générique, c'est ça qui est bien quelque part. Hein. Attends, je vais te mettre un point d'exclamation. KDO. Je devrais faire un copier-coller de Filou parce que. 19. 19. Non. 67. 67, 19, 67. On va y arriver. Hein. 67, 19, 67. 3000. Boum. Je vais plus avoir assez de PO au moins bientôt. Hein. J'en suis à combien? Oh, j'ai plus que 12 000 là, sur mon stock. Je suis en train de donner toutes mes PO. Il va falloir que je me mette. Qu'on va faire, un truc du genre comme ça. Je vais, mince, je vais retourner là. Je vais aller. Et ici, en faisant. Comment je fais d'habitude? Je classe par un nom. Tiens, je vais là. Je vais ajouter. Hop, je m'ajoute là. Comme ça, mes PO monteront un peu plus vite. On peut pas dire que je les utilise beaucoup, moi, les miennes. Donc. Alors, mon duc des abrutis. Ben voilà, il a 10 points au moins, c'est peut-être un peu mieux. On va peut-être lui mettre quelques drapeaux. Bah oui, il a déjà des drapeaux. Je vais enlever celui-là. Je vais enlever celui-là parce que j'en ai plus beaucoup. Et puis, voilà, c'est très bien. C'est parfait. Je vais me mettre comme ça. Et il me faut un snipe en T7, s'il vous plaît. Comme ça, tu auras vu tes trois navires, du coup. Pour te faire une idée, c'est clair que le Munchen par rapport à l'Atlanta, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. C'est dur de les comparer les deux, parce qu'ils sont vraiment. C'est un gameplay qui n'est pas du tout pareil. Et la Broody est différent aussi, donc. Franchement, ouais, c'est pas évident. Dur de dire sur lequel j'ai une préférence. Problème, le Munchen est super sympa à jouer, mais tu fais zéro dommage, quoi. Alors, tu fais chier le monde, hein, mais tu fais zéro dommage. Faut faire un décompte, hein, sac à puce, tu sais. Merci. Ouh là là, on est parti vite.
Tony Manchaza. Ça marche bien. Ça marche très bien, sa capuche. Il y a un porte-avions. Ufficiali pronti. Haha, je savais bien. GG. On a un Seb aussi. Seb Allo. Seb Allo. J'ai alors du mal. Oh là, mince, c'est le Percival. Qu'un FR. Oh, il y a GB plus aussi. Oh là 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 là, ça va être chaud. Ça va être un peu compliqué. Je vais me cacher, oui. Pourquoi il appuie sur B comme un fou sur le chat? Salut Rascal. Il est où le nœud? Je veux passer à la télé. Je suis pas là. Allez. Voilà, ça sent la torpille déjà. Merci, vous êtes 39. Ça c'est pour moi. Ouh, ça fait mal. Oh, je souffre. Oh, la souffrance. Laissez-moi tranquille. Je vais esquiver les torpilles. Ah, je vais esquiver les torpilles. Ouais, c'est bon. Oui. À me viser, laissez-moi donc tranquille, j'ai rien fait, c'est pas moi. Merci pour le follow Titan Express, bienvenue à toi. J'ai une partie un petit peu compliquée là en snipe, fou, ça a bien marché. On vient de détruire un croiseur. Coucou Seb, comment vas-tu? Là, je fais du duc des abrutis. Non, reviens. Ouais, mais bon, je peux pas pouvoir faire grand-chose. T'es bien caché, sa capuche, c'est cool. Ah, il vient de te tirer dessus, alors j'en profite. J'ai au moins deux salves tranquilles. Voilà.
On va essayer de redisparaître maintenant. Voilà, on a redisparu, c'est très bien. Continue à tirer sur le Vladivostok, avec un peu de chance, on peut le flamber. Ah oui, hein, le duc des Abruzzes n'a pas des sapés. Parce qu'il est trop vieux, c'est un vieil Italien. Ah! Du coup, il a de la paix et de la cheux, lui. Il n'a pas de smoke non plus. Il est très différent des Italiens deuxième génération, si tu veux. Plus Starcrawl. Et les torpilles, elles, sont beaucoup plus rapides. Elles vont à... Non, non, elles sont pareilles. C'est les torpilles lentes à 60 et à 55 nœuds. Elles font du 12 km. Donc ça change pas trop. C'est toujours les torpilles les plus lentes de l'univers. Tirer sur l'Algérie. C'est de voir ce qu'on peut faire là-dessus. Même c'est... Ah voilà, allez on va le tuer. Non mais non, mais non. Mais du coup, entre 3 croiseurs T7 Prime et la Transmission... En fait c'est pas une question de mieux, c'est une question avec lequel je m'amuse le plus. Ou avec lequel j'ai le plus de résultats, ou est-ce que je crois que j'ai des résultats? Eh ben, c'est le München. Parce que je tire plus loin. Je tire plus loin avec le München, je tire plus souvent, donc je trouve ça plus fun. Oh, je vais me faire défoncer par le New Max. Oh non, je vais me faire défoncer par le Vladivostok. Uah ! Boum. C'est une chips, c'est tous des chips. Hein. L'Atlanta, c'est une chips. La Broody, c'est une chips. Le München, c'est une grosse chips aussi. Mais tu tires très souvent. Tu peux éventuellement mettre des feux, mais c'est éventuel. Mais après, voilà, c'est qu'une question de feeling. Et entre les trois, ben, je préfère le München. Oh non, le Vladivostok va nous défoncer les deux, quoi. Au même endroit. Genre exactement au même endroit, tiens, voilà. Adios, amigos. Neneu et sa capuche, boum, au même endroit par le même navire. Bon, bravo. Qu'il n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire. Ben, de rien, avec plaisir. Le plus dur à manipuler des trois, c'est l'Atlanta. Parce que lui, il pardonne pas, par contre. Sa portée de tir est très petite. Et donc, du coup... voilà, quoi. Pom-pom, peut-être, mais pom-pom, pas très loin. Et surtout, dès que tu sors... Ben, dès que tu sors, voilà. Alors, je m'amuse vraiment bien avec l'Atlanta, parce que j'ai l'habitude de jouer avec, mais ça peut être très frustrant pour quelqu'un qui... hein. Salut Sergio, oh, t'arrives pour Seb. Alors, je pense qu'il y a des chances qu'on... des petites chances qu'on la graine, celle-là. On aurait été plus positif que négatif. Oh. Oh no. À
Pour peu que tu ne tombes pas sur une partie avec de l'Indianapolis. Ou un autre Atlanta avec radar. Parce que tu te fais radariser en Flint, je peux te dire, c'est... allez, adieu. Elle était bien ta partie. Ou un Belfast. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent te radariser. Ma première partie en Flint, c'était à l'occasion de la fête du maillet braisé. J'ai l'affiche sur ma porte. Je me suis dit, ouais, super, je vais tester enfin le Flint avec un compte presse, ça va être génial, moi qui ne l'ai pas encore. Parti avec un Indiana, il était à l'avant du groupe, il m'a radarisé, tout le groupe m'a tiré dessus. Fin de partie. Ah bravo, ah bravo, c'était super. J'ai adoré. Trop bien. J'ai fait bon, bah ça peut donner des parties sympas, mais ça dépend contre qui tu tombes, quoi. Ah si, il y a des chances qu'on la gagne quand même, celle-là. Ouais, enfin, peut-être pas. Oui, faudra voir, faut falloir voir quand ça sortira et puis à faire des tests dessus. Ils seront peut-être un peu moins ciblés par les sous-marins à cause de leur smoke. Quoique les torpilles suivent en smoke aussi pareil, hein. GG le Lenini, tient bien le choc. Il va lâcher contre le Vladi par contre. Oh. Oh mince, il y a un DD qui est en train de caper. Tony, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est clair. Bébé à de la SAP, ça va faire mal. Les destroyers seront une cible favorite, quoi. Ouh, t'as pris cher. J'ai le 4. J'ai le 4 et je me suis pas mis. Ah oui, c'est ça. J'ai acheté le jeu de base. C'est déjà pas mal. Je m'y suis pas mis. Non, c'est Europa Universalis que j'ai. Je confonds avec Europa Universalis. J'ai Europa Universalis. Ouais, c'est ça. J'ai Europa Universalis 4, mais pas Heart of Iron 4. Je regarde quand même dans ma bibliothèque. Accueil de la bibliothèque. Recherche. H E A R. Si, G. Je l'ai acheté en 2018. Je sais même pas ce que j'ai en fait. Heart of Iron 4 Battle for the Bosporus. Et il y a un DLC, l'Anniversary Pack. Il faudrait quand même que je m'y mette aussi, ce genre de choses. Si je vais dans la page du magasin,
700 heures. Ah oui, c'est vrai que c'est du paradoxe. C'est encore un jeu paradoxe. Édition cadet. Mais attends, attends, attends. Pourquoi il me propose... Ouais, mais c'est ça. J'ai pas les DLC, quoi. Je crois que j'ai uniquement le jeu de base. Et bien entendu, bien entendu, c'est... Alors, attends, attends, je comprends pas. J'ai un DLC sans avoir le jeu. C'est difficile d'avoir ce que j'ai déjà ou pas. Jouer maintenant. Le bleu vient de se faire nettoyer par le clan de Sas. M'en fous, c'est gagné. Y a eu des DLC gratuits. Là, ce que je suis sûr, je suis sur U-Boat actuellement. Il va falloir que je refasse un tour sur Skyhaven qui va bientôt sortir, je pense aussi. Donc, il va bientôt sortir en early access, donc il est loin d'être terminé, lui. Mais c'est un Kickstarter que j'ai, donc voilà, ça m'intéresse. C'est de la gestion d'aéroport. Et j'ai acheté Asphar Asiai. Il faut que je m'y mette aussi parce que ça m'intéresse. Ça va être. Il y aurait beaucoup de choses encore, comme d'habitude. Bon, moi je vais vous laisser en compagnie de Seb qui va reprendre la main jusqu'à minuit. Je vous propose deux salles, deux ambiances, hein. Soit vous continuez avec du Warship chez Seb, soit vous pouvez passer chez moi si vous préférez la simulation de sous-marin. Je passe sur U-Boat sur ma propre chaîne. C'est soit du sous-marin, soit du bateau, comme vous voulez. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne aussi rendez-vous demain, si vous choisissez la salle bateau. Demain, à partir de 20h, où est-ce que nous ferons du... Peut-être qu'il y aura du Clan War avec les nonothéistes. Ou peut-être pas. On fera du n'importe quoi pour faire plus de giveaways, sans doute. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de beau giveaway le samedi. Et j'ai des trucs qui traînent, donc il va falloir que je vous offre ça. Merci d'avoir suivi cette session. Et je vous laisse, je vous dis à plus tard. Plus, plus.